Et on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc, ce sera le samedi 30 et le dimanche 31 juillet, dernier week-end du mois de juillet, déjà avant d'entamer le mois d'août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, le chapeau magique. En deuxième, le fidèle petit chat noir. Et en troisième choix, je vous ai pris mon. Ma labradorite en cœur, voilà que j'aime beaucoup pour ses reflets. Hein. Elle est toujours sur mon bureau, hein. voilà. Donc ça, c'est le troisième choix pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude. L'oracle euro, l'oracle des secrets de ma belle Iselinag, le comme tarot. Évidemment, j'avais très envie de prendre le Tree Tree tarot le Oak que j'aime d'amour hein, avec les petits animaux de la forêt. Même si j'ai hésité, j'avoue avec son frère, avec les dragons. Et le Magic Luna. Voilà. Par contre, je n'ai encore rien mélangé. Hein. Je me suis dit qu'on le ferait ensemble. Voilà. Mais sinon, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, ici, il fait un peu peu respirable. Aujourd'hui, on a 23 degrés. C'est dingue. Limite, on a l'impression d'avoir froid tellement on a eu chaud. Euh, mais bon, ça remonte pour le, la fin de la semaine. Ici, le week-end, on va de nouveau frôler les 30. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais voilà. Bon, mais je crois que celle-ci, elle avait très envie de venir. Voilà, voilà. Sinon, ici, ben, tout va bien. On, a, on se demande où est passé le mois de juillet. Sincèrement, on ne l'a pas vu passer. Et voilà. Et à mon avis, le mois d'août, on va se dire la même chose. Et on sera bien vite le 1er septembre à se dire, mince, c'est déjà la rentrée. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, celle-ci. Aïe, oh j'ai tout fait bouger, désolé. Au moins il a fait ça en silence. Ça n'a pas fait le petit crissement. Et ici, hop, celle-ci. Voilà, pour l'oracle des desserré. Par contre, je ne sais pas trop où je vais mettre mes cartes. Là. Alors, on va se prendre une paire de l'oracle ro. Il veut bien. Il n'est pas bavard aujourd'hui. Mmh. Semaine passée, les cartes avaient volé toutes seules, mais ici il n'est pas bavard. Hop, hop, et hop, voilà pour le racloreau. Mon petit chéri, bon celui-là vous le connaissez, hein. c'est celui-ci avec les petits animaux de la forêt. Je l'adore bien, que j'adore son frère dragon aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu, il le sort en mini, mais moi j'ai pas craqué personnellement. Euh. J'ai cette édition-ci en double en plus, puisque j'avais peur de l'abîmer. Et euh, depuis qu'il y a des frais de douane... Euh, ah Bon, on va prendre celle-là qui est tombée. Depuis qu'il y a des frais de douane en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, ben, ça m'a un petit peu refroidi malheureusement. Mais bon, je vous avoue, en mini, je n'ai pas spécialement besoin. Ils avaient sorti des pièces aussi à l'effigie euh, du jeu de divination, mais le prix était juste ouf Je crois que c'était dans les 20 euros la pièce, si pas plus je trouvais ça un peu euh, exagéré. Ce jeu, les cartes sont tellement épaisses que j'ai toujours l'impression d'en avoir deux. Voilà. Bon, je suppose que je vais le mettre là. Et on va se finir avec une petite carte du Magic Moon, là. Que j'emploie toujours ma première version. Hein, alors que j'ai l'autre dans sa belle boîte. Mais il n'y a rien à faire. Je crois que c'est dans celui-ci que j'ai mis mes énergies. Et l'autre, c'est vraiment parce que j'aime bien, pourtant, hein, la matière et tout. Mais il n'y a rien à faire. Puis, comme j'ai déjà commencé à un peu user celui-ci, j'ai du mal à user le deuxième. Zou Voilà, un peu de couleur, tiens. Et encore une, ici. Voilà, on a nos cartes et nos paquets. Bon, comme d'habitude, mais je ne vous le répète plus, mais vous le savez, hein, je vous mets le timing dans la barre de description pour ceux qui veulent aller droit au but. Alors, ben, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Vous voyez ma lampe ici. J'allais de nouveau faire la bêtise d'appuyer dessus. Hein. Et alors, ça change de couleur. Alors, la mort, fin, achèvement et perte. Et automne, moisson, détachement et ah, ça, ça c'est chouette. Bon, la mort, moi, je vous le dis toujours, hein, c'est comme la, la carte de la mort euh, dans le dans le tarot. C'est pas la mort euh, d'une maladie, enfin la mort, c'est plutôt la, la fin de quelque chose, la mort de quelque chose pour un renouveau, le début d'un nouveau cycle. Donc, à mon avis, euh, ce, oh, ça y est, j'ai touché la lampe. Ce week-end, vous allez peut-être euh, mettre fin euh, à quelque chose, peut-être à une relation, une situation, euh, quelque chose qui Quelque chose qui vous tracassait peut-être et bah du coup vous allez peut-être du coup arriver à lâcher prise. Peut-être que vous avez besoin, vous aviez besoin justement de lâcher prise sur la situation pour arriver à, à terminer, à clôturer cette situation qui vous ennuyait et vous allez peut-être vous sentir plus léger, un peu comme ici on a les feuilles qui bah, qui volent au vent, hein, qui tombent des arbres. Euh, peut-être que vous avez dû euh, lâcher prise sur la situation. Pour arriver à comprendre euh, bah, que le mieux était de, de terminer euh, cette relation ou cette chose euh, pour en commencer une nouvelle, du coup. On va voir ce que nous dit, du coup, l'oracle ro et le magique Luna. La punaise. Eh ben, vous avez peut-être mis quelque chose en évidence. Peut-être qu'en lâchant prise, vous avez réussi à, à pointer du doigt euh, bah, ce qui n'allait pas, justement. Euh, dans votre vie et peut-être que c'est ça qui vous aura permis justement euh, de mettre un, un, un terme, une fin euh, à quelque chose et recommencer sur de, de nouvelles bases euh, plus saines, un nouveau chapitre. Ici, j'ai vraiment l'idée de d'épingler quelque chose. Il y a peut-être vraiment un truc, euh, un déclencheur en fait que vous allez mettre en lumière et qui va vous permettre de lâcher prise et de mettre fin à ce problème, cette relation, euh, cette situation, ce que vous voulez, et du coup recommencer sur de bases saines. Ici, on a une annonce. Peut-être que vous allez euh, ben, en même temps euh, décider. Soit vous allez peut-être annoncer euh, que vous allez euh, mettre fin à quelque chose, que vous avez envie de changement. Euh, vous avez peut-être envie de vous exprimer. Bon, ici, on a l'idée des messages. Peut-être que vous allez euh, peut-être le, le publier aussi sur les réseaux sociaux. Qui sait, que c'est peut-être terminé pour ça et que vous prenez euh, des nouvelles, entre guillemets, résolution meilleure pour vous, ou alors tout simplement. Euh, vous allez peut-être tomber sur une annonce, quelque chose qui est dit, et c'est peut-être ça qui va provoquer du coup cette mise en lumière et qui vous permettra bah, de mettre fin à une situation. Ou alors encore, vous allez peut-être avoir envie de vous exprimer, peut-être de crier un peu plus fort ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Justement, bah, par rapport à ce que vous mettez fin, vous allez peut-être le faire savoir aux autres que maintenant ça suffit, vous en avez marre de la situation. Et vous voulez autre chose dans votre vie à nouveau départ. Voilà. Et du coup, on va voir aussi. Du coup, la carte du tarot avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est aussi le, dans le mental. Et on a l'idée de, de jongler entre plusieurs choses. Non, c'est le 3 de coupe. Je dis des bêtises. Euh, le 3 de coupe, c'est plutôt la fête entre amis. Euh, Fêtez-les. Peut-être que vous allez fêter. Euh, c'est la joie, la fête, le plaisir, euh, l'amitié, euh, profiter d'être ensemble, etc. Peut-être que vous allez justement euh, bah, fêter euh, vos nouveaux choix. Euh, Peut-être que vous allez avoir envie de, de le partager, de le crier, de l'annoncer. Euh, aux personnes proches autour de vous, que vous mettez fin à certaines choses qui sont plus bonnes pour vous et que vous recommencez un nouveau départ. Et peut-être que vous allez fêter ça tout simplement ce week-end avec vos proches ou vos amis. Il y a vraiment l'idée de la fête. J'adore cette carte. Bon, vous avez compris, j'adore ce jeu. Voilà, du coup, pour ceux qui ont choisi le chapeau, on a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose et euh, pour recommencer quelque chose de mieux qui vous convient mieux. Et du coup, de fêter ça euh, entre proches, de l'annoncer aux proches et de le fêter entre proches. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir qui a l'air de bouder là. Je l'ai poussé sans doute sans le faire exprès, du coup il a l'air de bouder dans son petit coin. On a la maison, on l'avait déjà eu, et la chimère. La maison avec construire foyer sécurité et la chimère, illusion, fantasme et mirage. Euh, ici, j'ai envie de dire, ça fait plutôt penser... Euh, Peut-être que vous, vous faites des illusions, euh, soit par rapport à votre maison, soit par rapport à votre foyer. Euh, Peut-être que vous faites aussi des illusions par rapport à votre sécurité. Euh, Peut-être que vous vous. Peut-être que vous avez l'impression ce week-end de ne pas être en sécurité. Euh, ça peut être par exemple hein, pas avoir assez d'argent et, et pas se sentir. Euh, Serein, en sécurité, euh, peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous non plus, qui sait. Euh, mais si on a vraiment l'idée, euh, ben la chimère, c'est vraiment l'illusion. Euh, peut-être que vous faites des illusions aussi par rapport à, à votre maison, euh, à votre sécurité. Je vais même regarder ce que l'oracle Rho pourrait nous dire de plus. On a le oui. Donc euh, écoutez, si vous posez des questions par rapport à votre foyer, votre maison, euh, si vous ne savez pas si vous êtes dans le bon ou si, si vous faites des illusions, ben ici on a clairement, euh, on vous dit que le feu est vert et que c'est oui. Euh, Peut-être que vous faites euh, par exemple des illusions, vous, vous vous demandez par exemple si ce serait une bonne idée ou pas. Euh, je sais pas de faire des travaux dans votre maison ou des choses comme ça et ben ici clairement la réponse est oui si vous faites de, vous avez l'impression que vous faites des illusions par rapport à une situation qui aurait à voir avec votre foyer maison ou foyer à hein, la famille etc les, les gens qui habitent avec vous ben ici euh, on, ou alors on vous dit oui vous vous faites des illusions euh, peut-être que vous faites un film au final ou alors euh, si vous avez des projets et que vous vous demandez si vous faites pas euh, des films ben on vous dit que la réponse est oui voilà le Magic Nula, Luna, Luna nous parle d'une personne jeune donc peut-être que vous, bah, ça pourrait être euh, correspondre avec justement euh, une personne de votre foyer hein, de votre, des personnes qui habitent avec vous peut-être votre fille euh Ouais, peut-être votre fille. Euh, et du coup, peut-être que vous faites des illusions par rapport à une jeune fille, à votre fille qui habite avec vous. Je ne sais pas sur quel sujet, évidemment. Mais ici, on a l'air de vous dire que c'est oui, c'est ok. Euh, peut-être que c'est vous qui vous faites des illusions, ou alors on vous confirme que que vous. vous si non, je dirais plutôt que vous, c'est vous qui vous faites des illusions. Ceci, si c'était l'inverse. Euh, ce serait plutôt non. Hein. Donc à mon avis, il euh, y a une personne jeune, euh, du coup, euh, peut-être que vous vous doutez peut-être de sa sécurité ou voilà, vous avez... Vous, mais en tout cas, vous, les, les illusions, en tout cas, la réponse est oui. Et le tarot, oh il est joli, le chevalier de coupe. Le chevalier représente aussi. Euh, C'est le chevalier Non, j'allais dire le pache, le chevalier. Le chevalier peut représenter justement euh, un ado aussi. Ça pourrait représenter aussi euh, une, euh, une personne jeune. Bah, C'est vrai que ce n'est pas spécialement une fille. C'est parce que je vois une fille, mais une personne jeune, ça peut très bien être un, un enfant également, d'ailleurs. Euh, je cherche maintenant ma petite carte de cours ici, avec du coup le chevalier de coupe le cavalier plutôt. Euh, C'est quelqu'un de charmant, de rêveur, utopiste, quelqu'un qui défend ses valeurs. Euh, peut-être justement bah, que la, la personne avec qui vous l'ado, avec qui vous vivez, va peut-être euh, avoir envie euh, bah, de défendre ce qu'il aime, ses valeurs, ce qui est important pour lui. Et bon, évidemment, ce n'est pas toujours euh, au goût des parents. Hein. Donc peut-être que vous, vous avez peur pour la sécurité. Euh, de, bah, de cette jeune personne, votre fils, votre fille. Et vous avez peut-être peur que. plutôt peur que cette, que, bah, que votre fils ou votre fille fasse des illusions. Euh, peut-être que vous avez peur qu'elle bah, qu soit déçue après. Voilà. Et on a plutôt l'impression ici de dire oui, peut-être qu'au final, elle se fait des illusions. Mais euh, c'est vraiment l'idée de défendre ses valeurs, quelqu'un de passionné. Euh, et on sait que les ados, quand ils, ils veulent défendre ceux qu'ils veulent, peuvent être réellement très têtus. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et on va du coup finir avec ceux qui ont choisi ma labradorite en cœur. Mon cœur de labradorite, ce serait peut-être mieux. On a l'ermite. Ben, décidément, ce verre dans la pomme qui revient de nouveau. L'ermite avec la retraite, la solitude et le recul et le verre dans la pomme, toujours la, le gâchis, détérioration, corruption. Euh, peut-être que soit ce week-end, vous aurez envie de prendre peut-être du retrait, euh, peut-être un petit peu euh, seul, euh, peut-être parce que vous allez être déçu euh, par rapport à une situation, soit qui s'est détériorée. Euh, ou quelque chose que, ben, que vous ressentez vraiment comme euh, un gâchis, quelque chose qui, ben, qui, que vous, vous n'avez pas vu arriver et qui au final euh, ben, pourrit un petit peu euh, le tableau. Du coup, euh, vous aurez peut-être envie de, de prendre du recul, un peu de, de solitude, vous, vous retrouver seul avec vous-même, peut-être soit pour digérer... Euh, ben, quelque chose qui, qui se détériore, qui vous un truc hein, que vous n'avez peut-être pas vu et qui vous pourrit la vie. Euh, ou, le, ou non, c'est plutôt cette, cette idée-là, moi. Et en plus, l'ermite, euh, il, est, il est tourné vers le passé. Il regarde, euh, ben, il prend aussi... Euh, son, son expérience dans ce qu'il a vécu ou alors peut-être que vous allez prendre du recul vous avoir envie de vous retrouver seul avec vous-même peut-être pour faire le point sur des éléments euh, du passé qui vous ont pourri la vie justement et qui bah, des choses qui vous que vous avez encore à l'esprit et peut-être pour en, pour en tirer une certaine sagesse et, et essayer de pas reproduire euh, les mêmes schémas voilà parce qu'on a tendance à souvent reproduire les mêmes schémas ici on a la rencontre, mais ben, peut-être que vous allez euh, vous avez rencontré peut-être quelqu'un, ça peut être un amoureux comme ça peut être un ami, euh, une relation etc et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Euh vous, Peut-être que vous avez vécu euh, une expérience euh, amoureuse ou amicale dans le passé euh, qui s'est mal terminée. Euh, au final, la personne n'était peut-être pas honnête avec vous. Et peut-être que vous avez vraiment peur que ça recommence. Donc, vous replongez dans vos souvenirs passés et bah, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous avez vraiment peur euh, que la situation euh, bah, se détériore de nouveau. Le Magic Luna, on a la distance. Et du coup, peut-être que ça vous amène à être distant, peut-être. Par rapport aux nouvelles rencontres aussi, ça, ça peut aussi. Vous n'avez peut-être pas spécialement fait une nouvelle rencontre, mais peut-être que comme vous avez été blessé dans le passé, peut-être que vous êtes complètement fermé euh, à l'idée de nouvelles rencontres et vous prenez, vous paraissez peut-être de premier abord distant. Euh, C'est peut-être une façade euh, que vous vous créez euh, de paraître vraiment distant, fermé, justement pour que les personnes n'aient pas envie de vous aborder parce que vous avez peur bah, de revivre. Euh, une mauvaise expérience comme vous l'avez peut-être vécu par le passé et ici oh, ah ben on a la carte supplémentaire avec la carte des possibilités euh, bah ici euh, j'ai envie de dire tout est possible euh, peut-être que ça voudrait justement vous dire que ben maintenant il est peut-être temps euh, de se rendre compte que tout est possible toutes les relations euh, ne sont peut-être pas euh, vouées à l'échec à être euh, aussi euh, entre guillemets pourries que celles que vous avez déjà vécues et euh, ben, ouvrez-vous peut-être à de nouvelles possibilités euh, ouvrez-vous à de nouvelles relations amicales amoureuses et ben ça vous apportera peut-être beaucoup de bonheur voilà voilà ben, c'était un joli tirage aussi en plus ça va bien avec le cœur le cœur qui peut représenter l'amour euh, amical ou, ou ou amoureux tout simplement voilà pour ces petites énergies pour euh, ben, pour ce week-end du coup dernier week-end du mois de juillet euh, Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de, bah, de discuter de tout ça avec vous, de partager tout ça avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous